وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, nous allons continuer بإذن الله سبحانه وتعالى l'explication de la parole d'Allah سبحانه وتعالى en se basant toujours sur le tafsir de l'imam al-Sa'di rahimahullah et en ramenant des paroles d'autres savants de la sunna quand il y a des éléments complémentaires ou certains hadiths que l'on peut citer. Sourat al-Ikhlas, elle a été nommée ainsi car elle parle exclusivement des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Elle est spécifiquement vouée à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. La cause de sa révélation, comme l'a rapporté Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, qui est un hadith hasan, acceptable, il dit, les polythéistes ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, donne-nous la lignée de ton Seigneur. Décris-le nous et donne-nous sa lignée. Alors Allah révéla, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Obey a dit, c'est lui le Samad. On va expliquer Samad, c'est quoi? Celui qui n'enfante pas et qui n'a pas été enfanté. Car chaque chose qui enfante meurt. Et toute chose qui meurt est remplacée ou héritée. Et Allah ni ne meurt ni n'est hérité, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de semblable et d'égo et rien n'est semblable à lui. Rien ne lui ressemble. Toutes ces paroles qu'on vient de citer, c'est la parole de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, comme on l'a dit, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission acceptable. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Qul huwa Allahu ahad » dit « Ô Muhammad » il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam car ici, comme on a vu les mushrikoun, les polythéistes sont venus questionner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Donne-nous la lignée de ton Seigneur. Quelle est sa lignée ?» Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit « Dis, ô Muhammad » une parole certaine avec conviction et en connaissant son sens. Dit Allahu Ahad. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il a cette qualité de l'ahadiyya, d'être unique, subhanahu wa ta'ala, qui est spécifique à lui. Fahuwa al-ahadul munfaridu bil kamal. C'est le seul qui est complet, premièrement. Celui qui a les noms les plus beaux et les attributs les plus élevés et les plus complets, subhanahu wa ta'ala. Et les actes sanctifiés, c'est-à-dire les plus purs. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait les meilleurs des actes, les plus purs. Ceux donc qui n'a personne qui a son égal. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Samad, celui dont toute chose a besoin. As-Samad, c'est celui vers qui on s'oriente pour tous nos besoins. Subhanahu wa ta'ala. Ou alors ils disent le meilleur tafsir de Samad, c'est ce que Allah a révélé, c'est ce que justement lui-même l'a expliqué. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Comme l'a dit Ubay lui-même. La meilleure manière d'expliquer Samad, c'est qu'il n'a pas enfanté et qu'il n'a pas été enfanté. Car celui dont tout a besoin, qui est le maître de toute chose,
Il ne peut pas avoir de début ni de fin. Il ne peut pas avoir été enfanté ou enfanté. Comme Allah Ta'ala dit, أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُونُ لَهُ صَاحِبَةٌ. Comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Subhanahu wa ta'ala. C'est le premier, il n'y a rien avant lui. Et c'est le dernier, il n'y a rien après lui. Subhanahu wa ta'ala. Al-Samad, c'est la meilleure manière d'expliquer. Al-Samad, c'est celui qui est complet dans ses qualités et dans ses actes dont tout le monde a besoin. Ça, c'est la meilleure manière de résumer Al-Samad. Dans le monde céleste ou dans le monde de ce bas monde, toutes les créatures ont besoin d'Allah Ta'ala et sont pauvres devant Allah Tabarak wa Ta'ala. Ils sont tous demandeurs, espérant la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans leurs besoins. Et c'est lui qui a la science complète, Subhanahu wa Ta'ala, le savant qui a la science complète, l'indulgent qui est complet dans son indulgence. Et le miséricordieux qui est complet dans sa miséricorde, dont sa miséricorde a englobé toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et comme ceci, toutes ses qualités et ses attributs et ses noms sont d'une manière complète et parfaite, subhanahu wa ta'ala. Donc, As-Samad, en résumé, c'est celui qui est l'unique, qui est complet dans ses qualités et dans ses attributs, dont toute créature a besoin. Et lui, il se passe de tout le monde, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ici, alhamdulillah, dans ce verset, Allah Ta'ala nie le fait qu'il est enfanté ou qu'il a été enfanté. Dans d'autres versets, il dit qu'il n'a pas pris d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris pour lui d'enfant. Il a utilisé lam yattakhid waladan. Wa l'ittikhad. Ittikhad al-walad, comme il est venu dans Adwa al-Bayan. L'Adwa, il faut voir que les dernières sourates qui ont été faites dans l'Adwa, ce n'est pas Cheikh Mohamed Amin Shankriti qui les a expliquées, mais son élève. Allah Ta'ala, il l'a repris auprès de lui avant qu'il finisse tout le tafsir. Donc, Salim ibn Atiyah, qui était un savant égyptien, qui était un élève de Cheikh Mohamed Amin, rahimahumullah, qui a fini les sourates que Cheikh n'a pas fini. Non. Donc, quand ce que l'on trouve dans Tatimma, une Tatimma de Adwa al-Bayan, c'est déterminé à partir de quelle surah, alors ce n'est pas le tafsir de Cheikh Mohamed al-Amin, mais c'est le tafsir de Salim ibn Atiyah. Donc, il cite tous les versets où il dit qu'il n'a pas pris un enfant. Mais il a dit le fait que Allah Ta'ala nie le fait qu'il ait pris un enfant. Certains peuvent prétendre que c'est-à-dire qu'il n'a pas pris un enfant comme nous, on prend un enfant en adoption. Mais il a pu avoir un enfant, astaghfirullah. Mais en niant cela, Allah Ta'ala ici dit « Lam yalid wa lam yulad » là même cette équivoque-là, elle est rejetée. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Donc là, c'est clair. Ni il n'a enfanté, subhanahu wa ta'ala, ni même il a pris quelqu'un comme un enfant en adoption. Wadih ? Ça, que ce soit clair, en réponse surtout aux chrétiens qui ont dit que Isa alayhi salam, c'était le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, les cieux et la terre ont failli se fendre à cause de cette parole. Ta'ala Allah amma yaqulu al-zalimuna 'uluwan kabira. Donc, lam yalid wa lam yulad, comme l'a expliqué Ubay dans le hadith qu'on a vu auparavant dans la cause de la révélation de ce verset, il a dit, car celui qui enfante et qui est enfanté, il meurt et il hérite. Il meurt, il hérite. Donc celui qui meurt, il hérite. Est-ce qu'il peut répondre aux besoins de chacun? Est-ce que tous les besoins de toutes les créatures, elles peuvent revenir à lui? Non. C'est pour ça qu'il a expliqué As-Samad par cela. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et il n'y a personne qui lui est semblable. Ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah tabarak wa ta'ala a renié qu'une créature puisse le ressembler. Et ça va dans le même sens de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui est semblable. Et c'est lui l'entendant et le voyant, subhanahu wa ta'ala. Et ici, justement, Ubay ibn Ka'b l'a bien dit en disant, il n'a pas de semblable ni d'égo, rien ne lui est égal. Rien ne lui est pareil, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah tabarak wa ta'ala a dit, ne donnez pas des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala a dit qu'ils ont pris des divinités andadan, c'est les semblables, ou bien adl, aussi, ce mot il peut être utilisé,
C'est-à-dire qu'ils prennent des gens semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a nié le fait qu'une de ses créatures puisse lui ressembler ou être semblable à lui. Subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ikhlas, comme il est venu dans le hadith sahih, elle équivaut au tiers du Coran dans sa valeur. Celui qui lit trois fois Surat al-Ikhlas, il a la valeur comme s'il avait lu tout le Coran en entier, mais ça ne prend pas la place d'avoir lu tout le Coran. Un exemple. Comme celui qui dit 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir le matin, c'est comme s'il avait libéré 10 des enfants d'Ismaïl, 10 esclaves, affranchi 10 esclaves. Si lui, il a par exemple une expiation à faire dans laquelle il devrait expier un esclave, est-ce que le fait de dire 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ça prend la place de ça? Non, il a la récompense mais ça ne peut pas prendre la place de cet acte. Est-ce que c'est clair? De même pour les sourates ou les versets qu'on dit que ça prend, ça a telle valeur ou telle valeur. Naam. Certains savants ont dit pourquoi l'ikhlas équivaut au tiers du Coran. Car le Coran, il est partagé en trois tiers. Un tiers où ça parle d'Allah, de ses attributs, de ses qualités. Un tiers où ça parle des histoires des prophètes et des peuples passés. Et un tiers qui parle des règles et de la jurisprudence. Donc, pourquoi l'ikhlas, c'est un tiers du Coran? Car elle parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça équivaut à un tiers de ce pourquoi le Coran a été révélé, c'est-à-dire faire connaître aux gens Allah Ta'ala, leur créateur. Subhanahu wa ta'ala.